Il y a un moment donné, je sais que je me suis vue ouvrir une porte. C'était comme s'il y avait un couloir. Et il y avait une table à un moment donné où je me voyais comme déchirée, comme des contrats. Je déchirais des papiers, Quand tu as parlé de la glu, de l'alcool, ou des choses comme ça, j'ai vu comme des bras qui essayaient de m'attraper par en dessous. Mais là, je suis restée comme devant, puis là, j'ai écrit comme un pont d'or, puis j'ai marché par-dessus. Puis j'ai continué mon chemin. D'aller déchirer des contrats d'âme, d'aller déchirer des contrats karmiques. Des fois, c'est des contrats avec des entités, des démons, on ne le sait pas. Il y a toutes sortes d'énergies. Aller être reconnecté au champ quantique unifié et y tirer un maximum des énergies que tu désires dans ta vie. La capacité d'aller réveiller toutes tes mémoires. Retourne directement à ce moment-là où tu as décidé de t'incarner sur la planète. 1, 2, 3. À 1, tu peux commencer à bouger ton corps, totalement conscient ou consciente maintenant que tu es totalement interrelié à ce champ de possibilités infinies et illimitées et qu'à chaque fois que tu émets une demande à l'univers, tu la reçois instantanément, réellement instantanément. T'es un être de lumière puissant et merveilleux. La vie est totalement magique, juste merveilleuse. À deux, maintenant, tu te permets de vibrer une nouvelle signature énergétique de lumière, d'abondance, de laisser être. De plus en plus, chaque jour, chaque fois que tu réécouteras cette séance, tu es totalement conscient que chacune de tes pensées, de tes paroles, de tes émotions sont de l'énergie et en même temps une demande à l'univers. Au plus tu réécouteras cette séance, au plus ces demandes à l'univers seront de plus en plus vibrantes, de haute fréquence, et peut-être de plus en plus manifestée et présente dans ta réalité. Alors, à un, sois fier du beau travail que tu viens de faire. Et simplement ouvrir tes yeux tout doucement à ton rythme. Merci à tous d'avoir participé à cette belle séance. Puis, comme je vous expliquais juste avant cette séance, on est tous interreliés. Et on peut contribuer à un monde meilleur tous ensemble. J'en ai même des émotions d'y penser parce que je suis encore dans mes énergies. Parce que moi aussi, quand je te faisais ce tirage d'énergie, je ressentais les énergies, toutes ces belles énergies qui circulaient à l'intérieur de moi. Puis c'est en pratiquant de plus en plus, en se libérant de plus en plus de toutes ces barrières énergétiques, puis en faisant passer les énergies que tu désires dans ta vie, en tirant toutes ces énergies de plus en plus à toi, toi, tu vas vibrer de plus en plus des fréquences élevées, mais on est interreliés. Puis ta simple fréquence, juste ta fréquence, va avoir un impact sur l'extérieur, sur les gens que tu rencontres. Même si c'est juste à l'épicerie, tu es en train de faire tes courses, le monde va sentir une connexion peut-être ou une attraction à toi au plus tu vas élever tes fréquences. Ils vont être attirés par toi parce que ça va leur faire du bien d'être en ton contact. Puis au plus nos énergies, au plus nos fréquences vont s'élever, au plus on va comme contaminer les autres avec nos fréquences. Au plus, ça va avoir un impact sur l'extérieur. Au plus, le monde aura le goût de te côtoyer et de côtoyer du monde avec des fréquences d'eux-mêmes.
C'est important. C'est important de partager. C'est important de donner aussi. Oui, parfois, on n'a pas le choix. On doit vivre et on doit payer toutes nos factures. On n'a pas le choix de fonctionner pour le moment dans cette réalité de la troisième dimension. On se dirige vers d'autres densités, d'autres dimensions de conscience. De plus en plus, on le voit hein, avec cette Terre, la Terre qui vibre de plus en plus. La Terre dont les fréquences vibratoires sont de plus en plus élevées et on n'a pas le choix de suivre les fréquences, d'augmenter nos fréquences vibratoires pour suivre l'ascension de la Terre. Mais oui, on fonctionne dans cette troisième dimension en ce moment, mais c'est important de partager de plus en plus, de donner de notre temps de plus en plus, de vibrer la joie, l'amour, la paix à l'intérieur de nous de plus en plus. Alors, au plus tu vas faire cet exercice de tirage d'énergie, au plus tu vas te syntoniser à des nouvelles fréquences, des nouvelles ondes vibratoires, au plus tu vas être en paix toi-même, au plus tu vas être dans l'amour toi-même, au plus tu vas être dans la joie toi-même, au plus tu vas contaminer les autres. Puis au plus on va se diriger vers un monde meilleur. Alors de partager, de donner, je t'encourage à écouter cette séance tous les jours, tous les jours, tous les jours. En tout cas, le plus en plus régulièrement, de plus en plus à chaque semaine. Mais je t'encourage aussi à la partager pour que chacun travaille de son côté à élever ses fréquences et chacun être de plus en plus heureux, chacun manifester, actualiser des choses dans leur vie, tout ce qu'ils désirent dans leur vie de plus en plus, parce que ça va avoir un impact sur les autres. Ça va donner le goût aux autres de faire la même chose et pas mentalement, vibratoirement. Ils vont le sentir dans leurs cellules que ça vibre quelque chose de merveilleux, quelque chose de haute fréquence. Et il va avoir l'appel de leur âme, de leur être intérieur pour pouvoir faire la même chose. Ils vont être inspirés. Donc voilà, je vais arrêter cet enregistrement. Juste faire un petit signe si vous avez le goût de partager ce que vous avez ressenti peut-être dans cette séance ou de faire un petit témoignage. Et puis après, on pourra couper l'enregistrement et vous allez pouvoir recommencer. Repartir à vos occupations. Est-ce que quelqu'un a envie que je débloque son petit micro pour partager? Et puis, si vous n'avez pas le goût, on s'écoute à l'intérieur de nous. Et puis, si on n'a pas le goût, c'est que ce n'est pas le moment pour soi. Puis, c'est parfait. J'arrive pas. Est-ce que quelqu'un veut débloquer son micro? Parce que je n'arrive pas à les débloquer. Vas-y, José. Moi, c'est ma première expérience, puis je me suis endormie. Ah! Mais c'est pareil, tu es dans les ondes alpha du cerveau, même peut-être theta, hein, si tu étais rendue dans un sommeil un peu plus profond, mais l'inconscient, il est là. L'inconscient, il est toujours là, puis il entend, puis il travaille pour toi. Donc, c'est parfait. C'est que tu étais dans les bonnes ondes au niveau cérébral. Oui? Mon chat m'a dérangée. Puis à un moment donné, il est venu se coucher sur moi. Donc, on est partis toutes les deux. Mais je vais réécouter parce que j'ai perdu des grands bouts. Et à un moment donné, je sais que je me suis vue ouvrir une porte. C'était comme s'il y avait un couloir. Et il y avait une table à un moment donné où je me voyais comme déchirée, comme des contrats. Je déchirais des papiers, C'était comme s'il y avait comme une table tout le long de mon chemin. Puis, à un moment donné, j'ai vu, quand tu as parlé de la colle ou des choses comme ça, j'ai vu comme des bras qui essayaient de m'attraper par en dessous. Mais là, je suis restée comme devant, puis là, j'ai créé comme un pont d'or, puis j'ai marché par-dessus. Puis, j'ai continué mon chemin. Attends, j'ai comme une petite fenêtre. Cache ton visage. Ah, OK. Et ça, je me rappelle de ça. Puis c'est comme si j'avais quelque chose à atteindre qui était au bout de ce chemin. Mais je me suis endormie. Mais déjà, tout ce que... Continue.
J'ai juste comme, j'ai pas pu, je sais qu'il y avait comme une bulle plus loin, mais je m'en allais vers la bulle quand j'ai traversé le pont. Puis je m'en allais vers ça, mais je suis partie comme en sommeil. Je sais pas ce qui s'est passé après. Mais en tout cas, tout ce que tu témoignes là, c'est vraiment... Ben, je ne sais pas, et puis je ne veux pas interpréter, puis je ne veux pas aller amener d'autres choses dans ton inconscient, puis dire « Ah non, c'était ça, puis ce n'est pas ça. » Moi, je vois beaucoup. Ça, c'est mes expériences quand, ben, avec ma clientèle, de toute façon aussi, je fais ça avec ma clientèle en séance privée, là, d'aller déchirer des contrats d'âme, d'aller déchirer des contrats karmiques. Des fois, c'est des contrats avec des entités, des démons, on ne le sait pas. Il y a toutes sortes d'énergies. Est-ce que je ne sais pas c'est quoi ces contrats-là, mais de toute façon, ça peut être juste symbolique. Il n'y a pas besoin de signification. L'important, c'est que tu l'as fait au niveau inconscient. Puis quand tu es rendu dans des. Quand tu es dans des fréquences vibratoires, des ondes vibratoires, dans les ondes θ ou alpha, l'inconscient, il ne sait pas faire la différence en ce qui est la réalité ou pas. Donc, l'important, c'est que lui a été enregistré des nouvelles mémoires, des nouveaux enregistrements. Il s'est libéré de certains blocages. Je ne sais pas. On n'a pas besoin de savoir. Mais c'est intéressant, pareil. C'est intéressant comme quoi, c'est sûr que quand tu vas voir un thérapeute, si tu as des gros blocages, ben, j'encourage le monde d'aller voir des médecins, des thérapeutes, ce qu'ils veulent, là, ce qu'ils ont besoin. Mais même des séances comme ça, je pense... C'est pas dans mon intérêt de dire ça parce que moi, c'est gratuit tout ce que je fais. Mais même des séances comme ça, gratuites, qui sont finalement de groupe et puis que tu n'as pas d'interaction, parce que dans mes séances privées, y a une interaction avec la personne, on va aller libérer vraiment ce qu'elle a besoin. J'aurais été plus loin dans tes contrats si c'est ça. Mais là, c'est tellement efficace. Des fois, tu n'as même pas besoin d'aller voir des thérapeutes. Tu peux te libérer un jour à la fois, travailler sur toi. Juste une simple séance comme ça, te rends compte ce que tu as déjà fait. Alors, imagine si tu le fais, je dis tous les jours, mais je vais essayer de faire les prochaines. Je donne des séances gratuites tous les mercredis, puis souvent, ça prend une heure, mes séances. C'est comme des séances complètes, là. Mais je vais essayer d'en faire des fois 20 minutes, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut passer tous les jours une heure à écouter une hypnose, là. Une hypnose ou un tirage d'énergie, mais c'est ça. Donc, je vais essayer d'en faire des plus courts, mais wow. Merci de ton témoignage, si ça peut inspirer du monde à prendre soin de soi. Ouais. Mais cool. Merci. Écoute, moi, je suis arrivée comme tantôt que je t'ai vu il y a 15 minutes avant, puis je t'ai écrit, puis là, pouf, je suis apparue, et là, je l'ai fait avec toi. Donc, c'était juste, c'était parfait, hein, le moment était venu. Oui. La vie t'amène toujours... Exactement, ce que tu as besoin au bon moment. Exact. Donc, je vais avoir accès pour le refaire un autre tantôt. Oui. Là, la séance, je vais la mettre sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Donc, elle sera là avant 19h parce que d'habitude, on fait des séances à 19h, les séances tous les mercredis, là, en Zoom aussi. Pour ceux qui sont habitués à le faire à 19h, je vais m'assurer que le replay soit là à 19h sur ma chaîne. Comme ça, ils pourront l'écouter. Ils ne seront pas en direct, là, mais l'énergie, elle est toujours là de toute façon. Tu peux te connecter. C'est ça la magie de l'univers ou le champ quantique. Je ne sais pas, tout le monde l'appelle d'une façon différente. Là. Mais même si tu réécoutes ça dans 2 semaines, tu es encore connecté à l'énergie du groupe. Là. Donc, c'est parfait. Oui, ben merci beaucoup, Josée, pour ton témoignage. Merci aux autres personnes qui ont participé à mon enregistrement. Donc, je ne sais pas, j'écorche peut-être ton surnom ou elle m'a mis un message. Je ressens que la lumière. Oh, attends. Reconnaissance à toi. Je ressens que la lumière et les couleurs dans mon environnement sont plus claires, plus précises. Cette séance m'a fait du bien. Je la referai cette semaine. Gratitude lumineuse. Merci. Merci, j'allais dire ma belle cocotte, mais peut-être c'est un monsieur, mon coco. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Faites-le, oui. Puis encore une fois, là, c'est pas juste pour vous, hein, avec toutes ces... J'allais dire ces conneries qui se passent depuis 2 ans, là, mais tout ce qu'on vit, là, on a besoin de prendre soin de nous. Donc, je vous laisse. Je vais aller enregistrer, faire ma petite job. Là. Moi, je vais aller mettre ça sur ma chaîne YouTube. Et puis, sachez qu'à chaque mercredi, moi, je fais quelque chose. Et puis, j'en mets régulièrement.
sur ma chaîne. Donc, vous pouvez en profiter, réécouter. C'est tout le temps des thèmes différents. Donc, au moins, à chaque fois, on va avec son mental. Souvent, il y a du monde qui dit « Oh, ben moi, je fais de l'anxiété en ce moment. Je vais aller écouter l'hypnose ou le tirage d'énergie pour l'anxiété ou je ne sais pas trop quoi. » Ben non, va avec ton ressenti parce que parfois, c'est une autre séance qui n'a rien à voir avec ce que toi, tu as besoin au niveau mental, mais que finalement, c'est ça qui va faire un gros « waouh » dans ta vie. Faut sortir du mental et faut juste écouter son intuition, son ressenti. Si tu te dis « Ah, cette séance, pourtant, j'ai pas vraiment besoin de ça aujourd'hui en ce moment, mais… je sais pas, elle m'appelle, elle a attiré mon attention, fais celle-là. » C'est que c'est ça que tu avais besoin aujourd'hui. Alors, à bientôt. Je vais arrêter de parler parce que moi, je pourrais parler pendant des heures. Mais je vous fais des gros bisous. Et puis, merci d'avoir participé à cette séance. Bye.